Salam, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui une recette d'un gâteau pour l'Aïd, pour les fêtes, etc. J'espère qu'elle va vous plaire. Nos ingrédients pour cette recette sont 2 verres et demi de farine, 2 œufs entiers plus un jaune, 2 cuillères à soupe de halva à la vanille, une bonne cuillère à soupe de sucre glace, 4 cuillères à soupe de grains de sésame torréfiés mais non moulus, 200 g de margarine spéciale pâtisserie, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et une demi-cuillère à café de levure chimique. Pour la fin, nous aurons besoin de miel, de grains de sésame nature, de caramel liquide, de fleurs d'oranger, de cerises confites et d'un blanc d'œuf. Dans un grand bol, je vais poser la margarine ramollie, j'ajoute les 2 œufs plus le jaune, le sucre glace, vous pouvez aller jusqu'à 2 cuillères à soupe si vous préférez, un gâteau bien sucré. Je mets aussi les 2 cuillères à soupe de halva à la vanille que vous trouverez dans les rayons des produits orientaux ou bien produits du monde, et je mélange et je bats bien le tout pour obtenir une belle crème. Je mets après le sachet de vanille et je continue à bien mélanger. J'ajoute à la crème obtenue les 4 cuillères à soupe de grains de sésame torréfiés et non moulus.
plus qu'à ramasser avec la farine tamisée sans oublier de lui rajouter la levure chimique. Pas besoin de pétrir, on va ramasser la pâte et on va former une boule. Ensuite, on va former des boulettes. Pour ma part, c'est des boulettes de 30 grammes chacune, mais ça reste selon les moules que vous allez utiliser. Comme sur l'image, on saisit la boule en pointe, on la trempe dans le blanc d'œuf, ensuite dans les grains de sésame nature. On la pose ensuite dans le moule en silicone, en ce qui me concerne, et après on va appuyer pour avoir la forme. Ensuite, on va la retourner. D'accord, on va retourner sur un moule de pâtisserie qu'on va tapisser d'abord avec du papier cuisson. Et ensuite, on va enfourner. La cuisson, ça va être 20 minutes à 170 ou bien 15 minutes à 180. Et bien entendu, la cuisson dépend toujours des fours. Ces gâteaux doivent rester à peine dorés. Dès leur sortie du four, on va les tremper directement alors qu'ils sont encore chauds dans du miel froid mélangé à de la fleur d'oranger. Et on va les laisser tremper dans le miel entre 15 à 20 minutes. Les gâteaux vont absorber et avant de les mettre dans les caissettes, on va les poser sur une grille pour égoutter. En ce qui concerne la décoration, c'est arbitraire. Chacun peut décorer comme il le souhaite. Moi, j'ai mis au centre la moitié d'une cerise confite que j'ai collée avec un peu de caramel liquide.
à mes amis de très bons gâteaux pour diverses occasions. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous très bientôt. Bon Ramadan à tous ceux qui jeûnent et gros bisous à tous. À très vite. Ciao.